Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends, même si tu es morte depuis 1000 ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ah, mais voilà Aloy, la sauveuse de Méridian, l'élu des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines? Ou bien tout ça a un rapport avec l'Aniel? Les deux, en fait. Mais je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données? Les informations de l'appareil, tu as
beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça? Depuis mon enfance. En route. C'est bon? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Ces plantes ne ressemblent pas à celles des terres sacrées. Oh. C'est amer. Ouais, mais au moins, elles sont efficaces. Allez, il faut continuer. On devrait en cueillir d'autres pendant le trajet. Oui, bonne idée. La mienne se détache comme une mue. Est-ce que c'est comme ça qu'elle se répand? Ces ruines, c'est là-bas qu'on doit aller. Je vois plusieurs manières de descendre. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? La copie? Eh ben, c'est une IA. C'est dur à expliquer. Disons que c'est un ensemble d'instructions pour réparer le monde. Ça a l'air compliqué. Je ne sais pas qui a mis ces cordes ici, mais on peut les utiliser pour glisser jusqu'en bas. J'ai remarqué que tu voyageais léger. Oui, j'ai eu des problèmes en plan et... j'ai perdu pas mal de temps. Cette chose se répand vite. Il y a 6 mois, cette terre était saine. La mienne arrive. On ne pourra pas passer. On devrait en cueillir d'autres pendant le trajet. Oui, bonne idée. Thank you.
toujours en train de plier des carcasses de machines. Et elles sont... On dirait qu'elles ont laissé une carcasse. Il y a beaucoup de flèches dans cette machine. Allons voir ça de plus près.